Bonjour, c'est Marianne. Bonjour, c'est Gilles. On forme le duo Scand. Et on est très heureux de vous présenter notre premier album Dive sur France Bleu Provence. Chaque samedi, place aux talents de la région. C'est Live Live, l'émission, sur France Bleu Provence et francebleu.fr. Come on, babe. You make me feel like I'm the queen of the night. You do your best so that everything's alright. Me up. Oh, 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 oh. I try to keep cool and be fun and polite. I do my best so everything's all right. Me up. Check Me Up, belle chanson interprétée par le duo Scand, nos invités, Marianne et Gilles. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors on s'est rencontrés au sein du groupe Scand, qui existe depuis maintenant bientôt 5 ans. Gilles à la guitare et moi au chant. Et puis assez vite on a eu envie de composer au sein du groupe. À force de passer du temps ensemble avec Marianne, petit à petit, on a commencé à composer en duo. Et vous passez beaucoup de temps ensemble. Et on passe beaucoup de temps ensemble. Un tout petit peu. L'occasion donc de travailler alors ce premier bébé, ce premier CD. Ah oui, alors on peut en plus parler d'un bébé parce qu'il a mis 9 mois, très <C'est> exactement, 9 mois de travail acharné à deux, où on a tout fait nous-mêmes finalement, depuis la composition, l'enregistrement, c'est Gilles qui a fait tout le mixage, voilà, les photos, tout le packaging, c'est maison. Quand on se lance dans la création, donc là, un travail plus personnel sur les chansons, sur ce qu'on veut mettre dans les chansons. Oui, c'est effectivement des morceaux qu'on peut dire vraiment très très personnels. On sait jamais trop ce qui marche quand on compose, mais vraisemblablement, il y a une méthode qu'on a découverte par hasard avec Gilles qui fonctionne plutôt bien. Gilles prend la guitare, il improvise et puis voilà, il a cette capacité de me mettre dans un état émotionnel particulier qui fait que ça va inspirer quelque chose et déclencher des émotions en moi et là l'écriture va sortir et c'est
la naissance du morceau et après... Les arrangements, l'enregistrement, le mixage et voilà, l'album Dive. On a voulu essayer beaucoup de choses aussi sur les arrangements. On voulait qu'il y ait plusieurs guitares, acoustiques, électriques. On voulait qu'il y ait plusieurs voix, beaucoup de chœurs. Gilles, t'as enregistré des sons aussi. Des sons un peu, ouais, un bruit de canapé par exemple, parce qu'on voulait une ambiance... un peu organique, avec des sons organiques, un bruit de chaîne de moto. Pour le morceau Stuck on the Floor, qui relate un accident de moto. Donc voilà, c'est ce genre d'expérience qu'on a pu faire pendant cet enregistrement. Puisqu'on vient de parler de Stuck on the Floor, on l'écoute dans Live Live. Live Live, l'émission sur France Bleu Provence. You fell and you think now you're going to lay down for the rest of your life. Stuck on the floor. You can see the end of a dream in the night, and the precious you down. Stuck on the floor. Stuck on the floor. Come back right now. Light your life, forget the past. You've got to show what you know. Stuck on the floor. Standing up on your legs, but you can't go ahead. You're just so scared. Stuck on the floor. Stuck on the floor. You wanna give up and never try again. The devil's in your head. On the floor, c'est le duo Scand, les invités de Live Live, avec un album qui est sorti. Ça y est. Dive, c'est le nom de cet album, D-I-V-E. Oui, c'est un mot anglais, ça veut dire plonger. Plonger avec nous, venez dans notre univers, venez découvrir notre musique. Et puis dive, c'est aussi plonger à l'intérieur de soi-même, en introspection, sur un travail... personnel. Bon, ça raconte votre vie. Oui, on n'a pas anticipé ni l'ordre des morceaux. C'est venu vraiment au fur et à mesure, en fonction de ce qui sortait, de l'inspiration et des émotions. Et puis après, quand on a eu les 5-6 morceaux, on a réfléchi à un ordre qui nous paraissait logique. Et c'est là qu'on s'est dit, mais oui, en fait, ça retrace une histoire du début, quand tout a commencé, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Marianne et Gilles forment le duo Scand. Gilles, cet album, vous l'avez fait, quand on dit à la maison, c'est vraiment à la maison. Ah, c'est effectivement à la maison, dans des pièces. D'abord, on a testé la chambre. Le son résonnait trop, donc c'était pas ça. Et petit à petit, à force de tester, on est allé dans la buanderie. Le dressing. Le dressing. Bon, il y avait pas. C'est un appartement, donc non, c'est un petit appartement. Un F3, donc il y avait pour pas. Pour l'acoustique, c'est parfait, hein, c'est bien. Voilà.
Et l'acoustique était vraiment super, donc c'est là qu'on a enregistré toutes les parties, guitare, chant. Le studio, on l'a bien compris, c'était dans le dressing. Le travail fini, ça a été masterisé à Marseille. Oui, par François Fanelli au studio Sonic Mastering. Qu'on remercie énormément. Oui, il a fait un super boulot. On vous conseille pour tous les artistes qui avaient besoin de faire un mastering. Mais vous avez fait un super boulot également pour cette pochette, parce que c'est vraiment très original, de belles photos. Bah Gilles a beaucoup de cordes à son arc. Il est aussi photographe. Voilà, donc on a eu cette idée d'identité duo. C'est pour ça qu'on a, voilà, on voit nos deux visages. Et puis on est allé faire des photos dans une riserie abandonnée à Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans une ambiance un petit peu particulière que Gilles connaissait. Oui, j'étais allé faire des photos déjà là-bas. Voilà, on voulait quelque chose d'un peu un peu rock, ouais, un peu rugueux. Voilà, la face un peu sombre aussi, même si ça reste un album assez pop, assez optimiste. Mais malgré tout, tout n'est pas rose. Content en tout cas d'avoir fait ce premier album. Très content. Ah oui, ah, très heureux. Très heureux. Et puis je pense qu'on a un attachement particulier quand c'est le premier album en plus, qui est notre cas tous les deux. On y met tellement de soi, on y met tellement, au-delà des heures de travail, on y met tellement de soi-même que oui, quand ça sort, on a envie de le partager, voilà. Faire découvrir notre musique. Il y a aussi pas mal d'amis musiciens qui vous ont peut-être guidé sur cette voie. Mmh. Et entre autres, un ex-expatrié aux États-Unis, David Walliman. Ah oui, un ami d'enfance qui nous a aidés pour les textes, la correction des textes. Super guitariste aussi. Ah, super guitariste, ouais. Ben, c'est avec lui que j'ai commencé la guitare. On était au lycée à l'époque. Et d'ailleurs, un grand merci à Cathy Boyer, Daniel Steck, Mathieu Tommy, Ben Rando, qui nous ont aussi donné plein de conseils pour avancer dans la réalisation de l'album. Un album qui est aussi une belle carte de visite quand on est un duo ou un groupe pour ensuite se produire. C'est ce qu'on espère, participer à des festivals, pouvoir faire des concerts dans la région. On est même ouvert sur la France, voire plus, très volontiers. Le duo Scand, invité de la YoLive. On suit votre actualité par les réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Instagram où on raconte tout le making-of de l'album en fait, en photo et vidéo. Oui. YouTube aussi, la chaîne YouTube. Tout est centralisé sur notre site internet scand-rock.com. Marie-Anne et Gilles, pour nous présenter ce premier album Dive, que l'on peut trouver sur le site internet en commande depuis le 1er juin. On sera ravis de vous l'envoyer. Merci Eric, on était très contents de venir à France Bleu Provence pour présenter l'album. Premier CD, première radio, toute première fois. Merci beaucoup Eric, on sera très contents de revenir. Merci beaucoup pour l'accueil.